Maintenant, vous allez comprendre que ce qu'on appelle Marie, dont dit la mère de Christ, elle-même, elle était vierge. Selon les Bibles classiques, elle était vierge. Elle était fiancée avec Joseph. Malgré qu'elle ne soit fiancée, qu'elle soit fiancée avec Joseph, elle n'avait pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec Joseph. Parce que les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Est-ce que vous comprenez? En Israël, dans les Bibles classiques, les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Donc, dans Luc chapitre 1, versets 26 à 27, il est dit, « Et au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, nommée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée, à un homme de la maison de David nommé Joseph. » Point. Le nom de la vierge était Marie. Traduction du Monde Nouveau, il est dit, « Vers une vierge promise, promise en mariage. » Voyez, « À un homme nommé Joseph, virgule, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. » Vous comprenez ici, dans la traduction du Monde Nouveau, on vous dit que Marie était promise, était une vierge promise en mariage. Promise en mariage, ça ne veut pas dire qu'elle était mariée. Est-ce que vous comprenez? Promise en mariage, on te promet quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on t'a déjà donné la chose. Je promets que je vais venir chez toi peut-être demain. Ça ne veut pas dire que je suis déjà chez toi. Voilà les gens qui n'arrivent pas à comprendre le français. Ils viennent égarer encore des gens qui eux-mêmes qui ne comprennent pas le français. Ils vont tordre les versets et les gens vont se mettre à applaudir. Ils vont faire croire qu'ils sont des prédicateurs, qu'ils sont là pour travailler pour Jésus. Un Jésus qu'on a imposé à leurs ancêtres. Un Jésus qui n'existe même pas. Il vient raconter des histoires, n'importe quoi. Donc, dans Luc chapitre 1, verset 34, écoutez, dans la Bible Chouraki, il est dit, « Myriam, donc qui est Marie, dit au messager, comment cela peut-il être ? Puisque on vous dit que l'ange Gabriel vient voir Marie, il dit, tu vas être enceinte. Écoutez attentivement, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Écoutez la révélation, écoutez la révélation. L'ange Gabriel, dans les Bibles actuelles classiques, dit à Marie, tu vas être enceinte. Il n'a pas dit, un jour viendra où tu seras enceinte. Elle aurait pu dire, ben c'est normal, quand je vais me marier avec Joseph, on va... Hein? Mais cet ange-là lui dit, tu vas être enceinte. Mais le « tu vas » là, c'est quoi? Ça veut dire, ça ne va même pas tarder. Est-ce que vous comprenez? L'ange là lui dit, tu vas être enceinte. Donc en gros, c'est réciproque là, c'est pas réciproque, c'est... Ça ne va pas tarder. Et Marie, elle se pose la question, elle dit, mais comment cela se fera-t-il? Mais alors qu'elle a un fiancé, elle aurait pu dire, mais j'ai un fiancé, c'est normal que bientôt, c'est normal que je pourrais avoir un enfant. Mais parce qu'elle savait que cet ange-là était en train de parler à une période très courte. Et la période courte, là, c'est quoi? Marie savait que Joseph et elle, ils étaient fiancés, ils n'étaient pas encore mariés. Et en Israël, les fiançailles, dans les Bibles actuelles classiques, devaient prendre une certaine période. Vous voyez, il y a d'abord une certaine période. On te promet d'avoir un mariage, c'est une certaine période d'abord qu'il fallait attendre. C'était de la coutume. Et ensuite, maintenant, faire des cérémonies de mariage. Donc, ça devait prendre du temps. Et Marie avait compris, là, dans la conversation avec cet ange-là, que le délai que l'ange lui dit qu'elle va être enceinte est très court par rapport au mariage, par rapport à la coutume du mariage qu'elle pourra avoir avec Joseph. C'est pour ça qu'elle dit, mais comment cela ça va se faire? Voilà dans la Bible Chouraki. Myriam dit au messager, comment cela peut-il être? Puisque aucun homme ne m'a pénétré. Aucun homme ne m'a pénétré. Alors qu'on vous dit qu'elle était fiancée. Donc pour vous montrer que même étant fiancée, elle ne devait pas avoir des rapports sexuels avec Joseph. Parce que les fiançailles duraient à une certaine période.
Il fallait attendre une certaine période connue par les anciens. Et eux-mêmes, ils connaissaient ça. Et Marie savait que cette période-là n'était pas encore accomplie. Et l'ange là lui dit, tu auras un enfant avant même l'accomplissement de la fin de votre période de fiançailles pour passer au mariage. C'est là où elle dit, mais comment est-ce possible alors? Mais en gros, mais comment ça va se faire vu que on n'est même pas encore à la période où les fiançailles sont finies, où je dois entrer en mariage pour pouvoir maintenant aller avec l'époux pour pouvoir faire ce qui doit être fait. Et c'est là où maintenant on vous dit que l'ange là lui explique après que non, ne t'inquiète pas, ça va venir de... Voilà. Voilà ce que ces Mongols n'arrivent pas à expliquer aux gens parce qu'ils ne sont pas dans la révélation. Parce qu'on ne les révèle pas l'action. C'est moi l'action. Est-ce que vous comprenez? Je suis l'action!